elle date cette chanson. Je me suis mis à terre avec tous les vêtements que je vais vous montrer là juste à côté. Pourtant j'ai fait quand même pas mal d'achats depuis la dernière fois que j'ai fait une vidéo, c'est-à-dire il y a 4 mois environ. Et surtout avec l'argent du stage, je me suis quand même fait assez plaisir, on va dire. Bonjour, c'est Quentin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui donc nouvelle vidéo, une vidéo haul où je vais vous montrer tous les vêtements que j'ai achetés. J'ai acheté sur beaucoup de sites différents, j'avais pas l'habitude d'acheter sur tous ces sites là, mais bon finalement j'ai eu pas mal de bonnes surprises donc je suis content. Alors on commence par cette chemise jaune. Alors il me fallait absolument une chemise de couleur. C'est une chemise que j'ai acheté sur La Redoute, par contre les prix je m'en rappelle vraiment plus, mais je vais vous mettre au moment du montage, je vais faire des petites recherches. Cette petite chemise jaune que j'ai acheté, donc elle était bien en promo, une bonne promo. Je me rappelle que je l'avais acheté avec ma mère et c'est elle qui me l'avait montré. Donc je suis vraiment content. Donc voilà cette petite chemise, vraiment très bien, la qualité a l'air bien. J'ai aussi acheté cette chemise, alors ça il faut vraiment oser pour la porter. Mais bon moi j'adore les couleurs et je trouve qu'elle rend plutôt pas mal. J'ai pas d'article de cette couleur là en fait. C'est mon premier vêtement violet, j'aime beaucoup. Après évidemment il faut attendre que ce soit l'été, donc les saisons chaudes, les bonnes saisons pour porter ça. Enfin je la trouve vraiment bien, vraiment bien. Une bonne qualité aussi, c'est Galvani, donc c'est du bon. En fait c'est du bon comme si je connaissais, mais je connaissais pas du tout la marque. C'est ma mère qui m'a dit que Galvani bah, c'est de la bonne qualité. J'ai aussi acheté sur La Redoute. Nous avons deux suites que j'ai acheté sur Asos. Alors j'ai acheté ce jaune là, normalement je vous l'avais montré dans ma dernière vidéo sur mon autre chaîne, la Canté Originale. Donc je dis ça comme si c'était un truc archi ancien. C'était dans ma vidéo comment porter le caban. Le suite j'aime vraiment beaucoup, il est ouf, la couleur j'adore. Là j'arrête pas de le saigner pendant cet été là, je le porte pratiquement tout le temps. Donc voilà, ce suite je l'adore. Et j'ai acheté le même sur Asos toujours, donc en bleu. Les couleurs comme ça je surkiffe, ça rend bien, on peut mettre ça n'importe quand, ça va toujours bien, du lourd. Je les ai achetés pour une vingtaine d'euros, ceux-là je me rappelle parce que les prix ils ont pas baissé, ils ont pas augmenté ni rien. Ils sont toujours restés à 20 euros, autour de 20 euros, 20 à 25 euros. Après nous avons donc des jogger pants que j'ai acheté sur la boutique officielle. Alors est-ce que vous voyez bien, c'est pas aussi clair que ce que ça rend en caméra. C'est un gris, bon c'est un gris très clair mais c'est pas blanc, c'est gris clair. Très clair, donc c'est la même coupe que le kaki. Ça, comme si vous voyez quelque chose, en fait, c'est la même coupe que le jogger pen kaki que je porte pratiquement tout le temps aussi. C'est un peu plus haut parce que c'est trop petit pour moi, mais bon, niveau coupe de la jambe, en fait, c'est nickel et c'est ça que j'aime vraiment beaucoup là-dedans. C'est que même si ça arrive un peu au-dessus de cheville, je trouve déjà que ça fait un petit effet un peu stylé. Mais le fait que ce soit serré, que ça arrive au-dessus de la cheville, enfin, je trouve que ça rend vraiment bien, vraiment pas déçu. Et j'ai acheté le même en bordeaux. C'est mon préféré celui-là, la couleur est juste ouf. Tu mets ça avec des couleurs neutres, ça rend toujours bien, donc c'est trop bien, je suis content. Après, j'ai acheté 4 casquettes, 4 nouvelles casquettes, ouais. Donc j'ai acheté une rouge, une bleue, une blanche, qu'est-ce que je raconte, j'en ai acheté 5 en fait, j'ai acheté 5 casquettes, une kaki et une camouflage. Voilà, les casquettes, je les veux toutes, je les veux de toutes les couleurs. Là, je pense que j'ai toutes les couleurs de New Yankees. Mais vraiment je les porte toutes, hein. Même si j'en ai beaucoup, enfin je les porte vraiment toutes. Une casquette ça apporte toujours la petite touche de couleur, ça complète une tenue. Une casquette je trouve ça peut être comme une montre, comme un bracelet, enfin tout ce que tu veux, comme un collier même. C'est un accessoire comme un autre et je trouve que ça complète une tenue. Donc c'est une bonne idée d'en porter quoi. Voilà. Là je viens de déplacer les derniers vêtements. Le seul problème avec les casquettes New Era c'est qu'elles sont un peu chères. Ça dépend de votre budget évidemment, mais c'est environ 20 euros la casquette. Donc moi évidemment j'ai signé mon argent de stage, donc c'est normal que j'en ai acheté autant. C'est pas fini. Après on passe aux suites à capuche. Alors les suites à capuche j'en avais vraiment besoin parce que j'en avais pratiquement pas. Le seul que je mettais vraiment en fait c'était le gris. Le gris que de base je voulais revendre parce que je disais qu'il m'allait pas et parce qu'il y avait les boutons devant, mais je me suis habitué. Et finalement je le trouve vraiment stylé parce que la coupe est vraiment parfaite. Vraiment parfaite. Niveau des bras ça m'arrive bien à la longueur des bras, alors que d'habitude moi j'ai un corps assez bizarre, genre c'est des longs bras et un petit torse. Enfin, mes bras ils sont pas aussi longs que mon torse, mes bras sont plus longs. Enfin ils s'adaptent vraiment à mon corps, enfin je trouve c'est vraiment nickel. J'ai voulu en acheter d'autres. Donc j'ai trouvé celui-là, le rouge là, sur Zalando. Et vraiment nickel celui-là, mais vraiment parfait. Celui-là je pense que je vais le saigner, mais en automne ou en hiver. La couleur est top, c'est un rouge flashy, donc j'aime vraiment beaucoup. Alors lui, c'était pas vraiment prévu qu'il soit aussi fluo. Même si au final bah, je me suis habitué à la couleur, j'aime vraiment beaucoup. Donc c'est un orange fluo, une vingtaine d'euros environ. La coupe est vraiment bien, le seul problème c'est qu'il s'effiloche. Il laisse des bouloches partout, partout, mais vraiment partout. Alors, le plus souvent je le mets avec mon sac à dos. Et le plus souvent il laisse plein de bouloches oranges dessus, j'aime pas du tout, mais bon, veux-tu, c'est la vie. Je vais pas l'envoyer parce que j'aime vraiment trop la couleur. Et la coupe est nickel. Et enfin le dernier vêtement c'est cette veste en jean noir achetée sur Asos. La coupe est bien, à part que c'est un peu long au niveau du torse encore une fois. Parce que c'est vraiment parfait au niveau des manches, mais bon, comme je vous dis, j'ai un corps assez spécial. Au niveau des bras c'est bien, mais au niveau du torse, bah, c'est un peu long. Donc on a Chelsea
noire. Je voulais vraiment une autre paire de Chelsea parce que les beiges qui sont juste derrière là, bah, je les kiffe. Donc j'ai voulu absolument une autre couleur. J'ai hésité au début entre des noirs et des grises. Sauf qu'après je me suis dit qu'avec les grises ce serait un peu compliqué de les associer. Je voyais pas trop avec quoi je pourrais mettre ça. Alors que les noirs, bah, ça va vraiment avec tout. Comme le beige en fait. Là aussi je les ai achetés sur Asos. Dernière chose que j'ai acheté. C'est les chaussures blanches là, basses. Donc en fait ça j'en avais vraiment besoin, surtout pour cet été, parce que les chaussures blanches en été c'est un peu la base, enfin même surtout le long de l'année, mais surtout en été, si t'as pas de chaussures blanches, enfin je sais pas, il y a plein de possibilités de tenue que tu peux pas exploiter je trouve. Moi je voulais vraiment des simples, donc pas de motif, rien du tout, pour aller avec plus de choses, donc toutes blanches, à part la tête de tigre là, mais c'est très très minimaliste. 180€ de base, et je les ai eu à 60€. Promotion. J'étais trop content quand j'ai vu la promotion, c'est largement plus de 50%. Voilà les gens, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Et vous a plu, lâchez un petit like et n'hésitez pas à vous abonner. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, d'ici là portez-vous bien. Tchuss.